Salut à tous, bienvenue dans ce stade pour ce nouveau rendez-vous que nous allons vivre ensemble. Pour vous commenter ce match, je serai là bien sûr, Hervé Matou. On commence à se connaître un petit peu avec un très bel accueil pour les deux équipes. De quoi motiver les troupes si besoin en était. Là, je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre. J'ai vraiment hâte que ça commence. Ça y est, c'est parti. Début de cette première période. Aïssa Mandi. Youssef Attal. Mauvaise intervention là. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Sofiane Feghouli cherche quelqu'un au second poteau. La magnifique reprise de volée qui méritait mieux mais qui passe à côté. Pas mal le pressing de cette équipe. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Daniel Neuer, magnifique claquette. Allez, le corner frappé par Riyad Mahrez. Corner dégagé par la défense. Sofiane Feghouli. Attention à la frappe. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ouais, bien tiré ce corner. Mathieu Mels pour écarter le danger. Sofiane Feghouli. Ouais, bien joué le défenseur. On va peut-être assister à une contre-attaque. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Attention à nouveau. Et le magnifique arrêt du gardien. Serge Gnabry. Il parvient à stopper cette offensive. Alors qu'on aura bien sûr à l'œil Thomas Müller, l'attaquant allemand, toujours super efficace. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Derrière, il continue d'avancer. La frappe qui passe à côté, sans trop de problèmes, il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Ouais, il progresse bien là. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Voilà l'intervention du défenseur qui a écarté le danger. Le ballon récupéré sur cette intervention. Alors, une place là pour une contre-attaque. Le roi Sané. Toni Kroos. L'occasion de prendre l'avantage. Et but. Et oui, but. L'ouverture du score ici. Face à face bien négocié, on revoit cette séquence. C'est donc l'ouverture du score, 1-0.
graphisme qui est assez parlant. La position du ballon est bien visiteuse. Non, le problème, c'est que pour l'instant, cette équipe ne trouve pas la solution. Elle aura du mal à revenir au score si elle ne prend pas un peu plus de risques. On cherche une solution. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. C'est Manu. Allez, il élimine. Excellente intervention défensive. Il alerte son partenaire dans le dos. Attention, il peut y aller. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Et c'est un corner à suivre pour l'Allemagne. Ah, très appliqué, hein, Kimmich sur ce corner. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Kroos. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Le gardien qui capte tranquillement ce ballon. Je pense que mon arrière-grand-mère l'aurait eu également. La mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. Ah, il était complètement absent des débats. C'est même demandé s'il était sur le terrain parfois. Début de la seconde période avec l'Allemagne qui est devant au tableau d'affichage. Riyad Mahrez. Ballon qui est donné en profondeur. La parade de Neuer. Anthony Rüdiger. Müller. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il va falloir l'enrayer, hein, cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux. Magnifique, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué à une fraction de seconde. Le corner frappé par Joshua Kimmich. Oh, il a volé. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, l'égalisation, elle est au fond. On va revoir ce but. D'abord la passe en profondeur hein, qui a mis la défense aux abois. Victor qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. Allez, tout est à refaire, un but partout. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. On a atteint l'heure de jeu. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Il faut venir défendre là. Passe lobé dans le dos de la défense. Kimmich. Toni Kroos. Thomas Müller. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Et les supporters qui se manifestent. Ils ont compris que c'était peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette partie. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. C'est Manu.
C'est volé. Ouais, l'arbitre a sifflé hors jeu. Hors jeu. Brian Mahrez. Allez, il faut le mettre celui-là. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. L'équipe qui n'avait rien à perdre, et la voilà qui mène au score. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Gundogan. Il est dépossédé du ballon. Allez, il continue. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Chercher une ouverture, bien sûr. Sofiane Feghouli. Frappe surpuissante et le but. Oh, magnifique. Et on voit cette frappe au ralenti. Cette trajectoire rectiligne impressionnante du grand art. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Toni Kroos. L'Allemagne qui peut continuer à avancer sur le côté. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. L'équipe qui dans l'ensemble a dominé son sujet. Il se retrouve devant assez logiquement avec ses 2 buts d'avance pour l'instant. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Ce ballon en profondeur. Et la passe. Attention, ce ballon piqué. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. On voit ce ralenti, cette intervention plutôt ratée, on va dire, du gardien. Et l'attaquant qui a suivi pour la mettre au fond. Le score qui est maintenant de 4 buts à 1. La fin du match est sifflée à l'instant sur cette défaite à domicile. Ouais, l'équipe n'a pas fourni une bonne copie aujourd'hui, c'est clair. Hein. Cette défaite est assez logique, somme toute. On a tout de suite senti qu'il était dans un bon jour et il a joué un grand rôle dans cette victoire. Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire.